Poolside. J'espère que vous êtes bien, car pour part ça va génial. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, les gars. Dans cette vidéo, les gars, je vais vous présenter et on va découvrir la nouvelle map, la réserve naturelle du Mississippi à Grace. Je vous propose d'y aller maintenant. Ok, les gars, donc écoutez, on va commencer. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle carabine, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc là, voilà, les gars, je l'ai pas encore acheté. Donc c'est bien ce qui me semblait. Dans cette vidéo, les gars, je vais essayer de la débloquer. Allié en vert comme ça. Allié en bois et... Ok. C'est une 22. Ok. On va essayer de la débloquer dans cette vidéo, les gars. Simplement, j'ai la 300. On va aller voir ce qu'il y a. Voilà. Ok, d'accord. Il y a un alligator, là. Ok. Donc c'est pas des crocodiles, c'est des alligators. Ok, donc il y a un alligator. Donc qui est type 3. Ok. Donc qui a plongé apparemment. Mais qui va pas remonter. La première bête vue, les gars, c'est un alligator. Ok, les gars, en vrai, voilà. Il y a un alligator, les gars, donc je vais tenter de tirer. Ah ouais, il se range. C'est déjà pas rangé. Ok, donc il va peut-être sortir. J'ai peut-être pas mettre une balle pour sortir parce que là ça va être compliqué quoi. Juste la tête et c'est compliqué. Ah ouais, mais là, il est passé à l'arbre ou il a plongé? Bon, ouais, je crois que c'est encore mort, les gars. Putain, mais c'est un truc de fou, quoi. On peut pas les tirer, c'est impossible. Ah si, on va là. Ok, je viens de le voir sortir. Ok, donc il se faufile là-haut. Donc je vais essayer de l'approcher. Donc il vient clairement de se barrer devant moi, là. Oh merde, il retourne dans l'eau. Oh, attendez, je vais essayer de le tirer comme ça. Il est où? Ouais. C'est quoi ça, gros? Est-ce que c'est logique qu'on le voit pas, les gars? Sérieux, je comprends pas trop là. On l'entend, on le voit pas. Je pense que c'est compliqué à tirer quand même. Allez là, ok, là. Ça va vite, hein. Un truc de fou. Regardez, on le voit pas. Donc là, il va. Vous voyez, on entend juste le bruit. Il se met là-dedans, il ne bouge plus, je sais pas s'il fait. Ok, donc je ne sais pas comment. Je sais pas trop comment l'appréhender là, c'est vrai que c'est compliqué. On l'entend qu'il longe tout le bois là, mais on le voit pas. Ah, ok, là. Je peux pas vous dire s'il l'a pris. Ah, là, il va peut-être sortir. Écoutez, il n'y a pas de tâche. Donc, je pense qu'il est loupé. Mais c'est vraiment... C'est très compliqué quoi. J'évite de bouger parce que
je l'entends marcher là. Mais je vois pas. Le bloc, ok. Voilà pourquoi c'est compliqué de tirer une balle. C'est... Là je vais peut-être pouvoir tirer. C'est très bien. Hein. On peut traverser quoi. Je comprends rien, c'est. C'est incroyable. C'est ultra dur, j'ai jamais vu ça. Je n'arrive pas à rentrer une seule balle les gars, c'est... Donc pour l'instant je reste caché encore. Ouais je reste caché, je bouge pas du moins. Je sais pas comment je pourrais faire pour l'avoir, celui-là c'est quand même c'est compliqué là. Ouais. Je sais pas comment je pourrais faire. Je pense pas qu'il va revenir, ça fait comme deux balles que je tire. Bon, je pense que je passe au-dessus. On le voit très bien quand même que je passe au-dessus. Bon. Il est là. Okay. Donc là, il l'a pris. Il est mort ou il a replongé là? Je vois pas trop. Il replonge, d'accord. Ok, il a pris une sale balle, il replonge. Il va remonter ou pas? Ok, la tâche de sang, donc là il va peut-être venir là. Donc là il l'a pris. Là je l'ai pas loupé. Ah. Oh il est là, il est là. Bah. Il risque de nous bouffer dans l'eau, non? Il est où là? Là il va sortir. Genre, je vais retirer. Il est mort ou quoi? Et il meurt pas, faut passer. Ok, c'est bon. Ok, ok, c'est très 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 compliqué en tuer. Hein. C'est wow. Ok, donc bah, mon premier alligator, les gars. Donc je sais pas si c'est un rat, je ne pense pas. Donc c'est une femelle. Première balle, je tire dans la tête. Poids 116 kg. Ça va. Type de fourrure, olivier. Olivier, donc je sais pas trop si c'est rare ou pas. Distance de pistage 0. Difficulté 2, insignifiant. Ok, type de trophée longueur. Ok, organe de trophée rien. Donc voilà, ok. Donc ça, c'est une deuxième balle que je tire et une troisième ensuite dans la patte avant. Donc je touche aucun organe, là je touche et là je touche la tête. Ok, donc avec le tir de la tête j'aurais dû mourir quand même. Ok. Donc je vais pas le prendre comme trophée, je pense pas qu'il doit être rare. Mais bon voilà, ça fait plaisir. Je vais essayer d'en tuer un autre les gars et après je vous montrerai pour aller voir il y a quoi de plus là ici. Je pense pas qu'il y aurait des alligators ici, j'aimerais voir d'autres bêtes. Donc je recherche un les gars. Et si je trouve pas, vraiment si je trouve pas, bah j'irai direct, je partirai direct chercher des autres bêtes. Puis les gars, donc je viens clairement de voir un alligator. Je l'entends marcher là. Voilà, voilà le blur. Ouais, je l'ai encore touché, une bonne balle apparemment. Encore une bonne balle. Il fait quoi? Il va peut-être ressortir. Vraiment une fraction de seconde, je le tire. Oh, de l'eau. Ouais, il la prend. Ah, enfin une autre. Et non. J'ai l'impression qu'à chaque balle, il remonte. Merde, j'ai plus de balles. Vite, 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 300, 300. Ah. Là, elle a du raison. Oh, j'ai très mal tiré là, vite, vite. Il est en train de clairement se barrer. Oh, il revient. Merde, vas-y, rechange. Il revient, je vois plus. Il passe où? Il passe là.
Voilà, ça y est. Ok. Ah la vache. Donc, j'ai encore tiré une femelle, les gars. 97 kilos. Ah, Olivier aussi. Distance de pistage 228. Indérisoire et longueur. Voilà, longueur pour le titre de trophée et organe de trophée rein. Ok, donc j'ai mis 18 au premier, donc je touche aucun organe. Chair vitale. Donc voilà, ok. Ok, donc là c'est une balle à la tête, donc je mets 8, c'est pas assez, je trouve. Donc direct à la 300, quand même, à la 312. Ok. Donc. Ok. Donc on va valider, les gars, et on va direct partir. Cette fois, si les alligators me permettent d'y aller, au spot que je vous ai parlé, au spot que je voulais pas. Au spot que je vous ai parlé, les gars, au spot que je vous ai parlé. Un ours. D'accord. Donc je vais vous sortir des nouvelles vidéos, les gars, donc d'un autre type sur la chasse, mais pas virtuel mais réel. Et j'espère que ce nouveau contenu va vous plaire. Vous verrez, donc j'ai changé aussi le nom de la chaîne, les gars. Pour les anciens, je m'appelais Gamer Passionné. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis mes premières vidéos. Et j'ai changé, ça fait quelques mois maintenant, j'ai changé le nom de la chaîne. Parce qu'il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. Donc sur la pêche et sur la chasse. Donc j'ai investi dans quelques équipements pour filmer dans le track, tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà, ça fait un petit moment que j'organise ça. Ça explique mon absence sur YouTube pendant, je crois que ça fait 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Vous voyez, il y a du cerf aussi. Je n'arrive pas à distinguer ces doigts. Je pense que je loupe. C'est une bête, je sais pas où. Donc ouais, il y a du cerf aussi. Donc pour en venir, les gars. Bon, il vient droit sur moi. Ah non. Donc pour en revenir, les gars, à la vidéo, donc voilà, je vais faire du contenu chasse, donc pas virtuel mais réel, et du contenu pêche réel aussi. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos vont vous plaire. Donc ça sera pas la dernière sur Hunter, les gars, ça c'est sûr. Je reviendrai, donc je ferai des vidéos avec Noah, les gars, pour ceux qui le connaissent aussi. Donc on refera des battues comme on faisait avant, vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai un nouveau contexte de vidéo, que ça sera la chasse en réel. Donc j'espère que ça vous plaît. Bref, voilà, c'était une petite parenthèse, les gars, pour vous expliquer. Donc j'espère, les gars, que ce retour avec Noah dans les prochaines vidéos va vous plaire aussi. Donc on compte refaire des battues. Voilà, donc je pense, donc je sors cette vidéo ce soir, refais une vidéo avec lui dans la soirée. J'ai loupé complètement mon tir. Ah, j'arrive pas. Donc je pense refaire une vidéo dans la soirée avec lui. Ah, je crois que c'est mort pour le dindon, là, les gars. Ah non, ok, on regarde. On l'a deux. Bon. Je crois au moins en avoir eu deux. Et je crois qu'il y en a un qui vient de se poser devant moi. Si je suis pas de conneries, j'ai un truc chelou. Oh, oh, ils les ont fait vraiment réels, c'est un truc de fou. Oh. Ah ouais, là, ils sont améliorés de fou.
Regardez les gars comment c'est magnifique. Ils l'ont fait réellement, c'est magnifique. C'est. Ouais. Franchement. Voilà, regardez les gars. Franchement. Bon, il est mieux. Il est quand même mieux par terre, mais. Ouais. Il est quand même pas mal. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez les gars pour plus de vidéos. Donc, vous inquiétez pas. D'ici 2 semaines, donc le projet que je vous ai expliqué tout à l'heure devrait sortir. D'ici 2 semaines, ouais. Je devrais avoir quelques vidéos en stock. J'espère que ce nouveau concept va vous plaire. Je vais vous laisser sur cette vidéo, les gars. Et passez une bonne fin de soirée. C'était Chasse et Pêche. Je vous laisse sur cette vidéo. Peace. Oh,